pleine janvier, l'insécurité a affecté ma pile. En tant que jeune qui a vécu dans le département sud-est. Parce que pour me venir dans le forum, ça, avant ça, nous avons seulement pris un bus, mais nous avons pris un prince pour 400 gouttes. Mais pour nous, à cause de l'insécurité que nous avons traversée, pour moi, arriver à Port-au-Prince pour nous participer dans le forum, nous prenons un bus déjà que nous avons pris pour 1000 gouttes. Nous arrivons à Port-au-Prince pour nous prenons un bus pour 2000 gouttes pour mettre nous dans le supérieur, au CAI. Et après, nous sommes capables de prendre un avion pour nous atterrir dans l'Ouest, pays, pour nous capables participer dans le forum qui a fait jeudi. L'insécurité, c'est ça que nous mettons. Il permet que tout le monde quitte la CAI. Il y a des gens qui sauvent ça ou pas même. Il y a des gens qui sauvent ça ou pas même. Il y a des gens qui prennent un rad pour mettre sur eux. Ça cause nous venons dans le grand goût dans le pays. Par exemple, on prend un bus qui est qu'on a sorti pour transporter des marchandises. Par exemple, provisions alimentaires, banons dans ville Jacmel. Mais pour un bus, ça, pour le arriver à traverser, s'il y a une chance de traverser, il faut qu'il paye. Pour traverser, immédiatement que mettre marchandises, les payer pour passer avec marchandises, ils viennent augmenter le prix marchandises. Ça permet que nous-mêmes qui avons acheté, qui avons consommé, nous venons payer le plus cher. Dans ce sens, ça a affecté nous en ville. Et après, ville, dans le département, nous avons un pile d'habitants qui sont sortis dans l'ouest pays qui viennent vivre dans le département. Alors que nous n'avons pas de lycée qui était préparé pour les jeunes, nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas vraiment pas de emploi pour les gens, comme si nous avons cherché un travail pour nous jouer une façon pour nous capables de quoi vivre, parce que nous n'avons pas de préparation qui était faite pour ça. Parce que si par exemple nous avons environ 200 000 habitants qui quittent l'ouest pays qui allaient dans le département. Dans le grand sud pays. Donc, ça vient affecter nous-mêmes qui étions là déjà. Parce que, faut que vous mangez, faut que vous jouiez l'école pour rentrer, et faut que vous, par exemple, jouiez accès à la santé. Pour question logement, dans Jacmel, pas vraiment d'espace pour nous recevoir les gens. Les gens qui ont besoin de faire des centres, pour affirmer, ça vient faire mettre les augmenter le prix des. Par exemple, si on a payé une chambre de 5 000 $, il passe à 10 000 parce qu'il y a trop de monde qui a tant de chambre de ça. Mettre les cailles obligé d'augmenter le prix. Pour moi-même, grâce à avec forum, ça que nous participons aujourd'hui. Nous participons, c'est grâce avec PDH, qui est le volontariat pour le développement d'Haïti. Nous-mêmes, en tant que jeunes, femmes, nous voulons mettre nos mains, bailler toutes mains pour nous gommer de façon que nous sommes capables. Pour nous, en même temps, tout, nous voulons continuer en sensibilisation pour nous faire voir nos niveaux bon côté reste organisation des parties société civile, pour nous inviter à venir mettre les mains ensemble pour nous impliquer dans la bataille qui a fait aujourd'hui, pour nous capables de sauver Haïti.